Bonsoir. Alors je voulais vous parler de la pleine lune qui arrive le 6 avril dans le signe de la balance. Actuellement, nous sommes au mois d'avril dans le signe du bélier, le signe opposé et complémentaire à la balance. Nous avons donc là une dualité. Une dualité balance- bélier. La pleine lune va donc nous demander de nous recentrer sur ce que nous aimons vraiment, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, dans ce que nous avons envie de créer. On va nous demander un recentrage sur l'essentiel, sur ce qu'on ressent au plus profond de nous et la lune en balance opposée à soleil en bélier et jupiter en bélier soleil les contrats le matériel jupiter les finances eh bien nous aurons des choix à faire entre ce que nous aimons vraiment et la rentabilité des choses est-ce qu'on continue à rester dans ce travail ou avec certaines personnes à cause du matériel ou alors est-ce qu'on part vers ce qu'on aime vraiment, les personnes que l'on aime réellement ou le travail, la créativité qu'on aime réellement. Donc il y a vraiment une dualité, une dualité entre les vraies valeurs et entre les valeurs matérielles. Je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous, que ce soit dans votre vie affective ou que ce soit dans votre vie professionnelle. Donc, euh, c'est une période d'analyse, c'est une période de choix, de choix importants. Euh, cette pleine lune du 6 avril en balance. Donc, euh, analysez, réfléchissez. Vous allez où Vous avez envie de quoi vraiment Est-ce que vous aimez vraiment la personne avec qui vous êtes Est-ce que vous appréciez vraiment Est-ce que vous vous épanouissez vraiment dans le travail que vous faites. Si ce n'est pas le cas, la pleine lune du 6 avril en balance va vous secouer un petit peu et peut-être vous donner des, des pistes. Ouvrez l'œil, ouvrez les sens. Et surtout, dès maintenant, respirez, relaxez-vous. Il faut toujours anticiper les changements de lune qui peuvent secouer certains d'entre vous. On respire. On se détend, on médite et préparez toujours vos remerciements de pleine lune pour ce que vous avez déjà et vos